scène de terreur ce matin au Cinéstar de Millénis. C'était heureusement un exercice des forces de l'ordre, où des lycéens jouent les victimes d'attaques terroristes. Mais le scénario est bien réaliste. C'est le gardien de la paix bourgeois qui a organisé l'exercice. On a trois terroristes qui sont introduits dans le cinéma Cinéstar lors d'une avant-première. 50 élèves présents dans une salle. Les terroristes ont ouvert le feu à plusieurs reprises, ont blessé 7 lycéens. Ce qu'on a appris, c'est sur l'évacuation des blessés, peut-être une meilleure gestion de l'évacuation des blessés, et puis la communication entre les effectifs de police et les différents services, et entre les effectifs de police. Car les grands moyens ont été déployés. Une centaine d'agents de police, du SAMU ou des pompiers ont participé à l'exercice. Les évacuations des blessés se font par hélicoptère et le scénario pouvait être modifié pour provoquer des changements tactiques des groupes d'intervention. Objectif, se préparer dans des conditions au plus proche du réel. Depuis les attentats de Paris en novembre 2015, l'anticipation des attaques terroristes est une priorité absolue. Pour la direction de la police, cet exercice est une réussite. L'enjeu, c'est est-ce qu'on intervient assez vite? Est-ce qu'on intervient bien? Est-ce qu'on est capable de faire cesser ce phénomène de tuerie de masse? Est-ce qu'on est capable de mettre en place un commandement opérationnel rapide? Est-ce qu'on prévient suffisamment les bonnes autorités et les bons partenaires? Le bilan qui est à en retirer et qui est très positif, c'est que le département de la Guadeloupe est en capacité de réagir à l'instar de ce qui se passe sur le territoire métropolitain. Résultat de l'opération, 4 morts et 7 blessés fictifs parmi les lycéens. Et les 3 terroristes sont abattus. Les différents services d'intervention feront chacun leur bilan pour tirer le plus possible d'enseignements de cet exercice.